Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller 85 encore une fois. Là cette fois-ci on se retrouve dans la Taskcour, vous le savez, il fait beau mais on est à l'ombre pour parler d'un nouveau petit engin. Aujourd'hui je vais vous parler du EX2H de chez Ishin et je suis super content de vous parler de ce produit-là. Donc j'espère que tout le monde va bien, vous avez certainement remarqué ma petite voile qui arrête pas de se tourner dans le mauvais sens forcément, vous l'avez vu au départ. Petite dédicace vite fait à Culture FPV et FPV Passion, j'ai cru bon de les insérer sur ma voile. C'est une des premières que j'ai reçues, que j'ai fait faire. Elles ne seront pas toutes comme ça, hein. Il y en aura deux. Une avec YouTube, une avec les Tazou, bien sûr. Et les autres, ce sera voile et gate que j'ai commandé aussi avec des petits plots souples pour pouvoir faire des petits parcours race. Et oui, Pablo m'a filé la maladie de la race. Et je pense que pour tester les prochains petits racers, surtout que j'en attends, je vous dis que ça. Mais pour tester les prochains petits racers, je fais généralement du freestyle. Là, on pourra tester également en race, ça permettra de m'entraîner un petit peu de façon à être un peu moins ridicule le jour où Pablo va faire un petit détour par chez moi. Dédicace à toi mon petit Pablo aussi. Allez c'est parti, aujourd'hui donc je vous parle du Ishin EX2H. Quelle merveilleuse idée ils ont eu de sortir ce petit engin. Franchement, on est dans la série des bugs en ce moment. Et bizarrement, je reçois ce petit EX2H qui est ni plus ni moins qu'une copie, mais améliorée du Bugs, parce que ils ont regroupé plusieurs choses. Alors en matière de polyvalence, il va pas lui manquer grand chose, mis à part le GPS. Celui-ci n'a pas le GPS, mais il a pas mal d'autres avantages, vous allez voir. Donc ce petit EX2H, comme indiqué sur la boîte, on a le mode maintien d'altitude ou pas. C'est-à-dire, ils appellent ça le mode professionnel, et ben c'est le mode sans maintien d'altitude. Je vais tout de suite vous parler de la radiocommande. D'abord, je vous fais un petit descriptif rapide. Donc avec le modèle que je vous propose, vous aurez différents choix sur la fiche produit. Soit vous pouvez le prendre nu, sans rien, c'est-à-dire que vous aurez devant une petite LED tout simplement. Soit vous le prenez avec la caméra, c'est la 5830, donc c'est la caméra FPV en 5.8 GHz, donc du vrai FPV, sans aucune latence bien sûr. Et vous pourrez avoir le pack que moi j'ai pris ici, c'est le pack complet, c'est-à-dire vous avez la caméra 5830 FPV, vous avez le petit écran de retour ici sans antenne, c'est le même que chez MJX. D'ailleurs, ils ont cru bon de mettre avec un quad Ishin, de mettre un masque, enfin un support, un boîtier masque MJX RC. Donc ça prouve bien qu'ils sont pas allés chercher l'inspiration bien loin. Mais c'est pas une simple copie. Comme je vous ai dit, on va trouver des choses sur ce petit EX2H qu'on ne trouve pas sur les Bugs. Donc, belle petite innovation, je trouve. Donc, vous aurez également, pour les gens qui ne sont pas rassurés, des protections d'hélice qui vont simplement se placer en dessous. Vous aurez deux vis à retirer ici au niveau des moteurs pour ensuite venir clipser votre protection d'hélice. Il y a deux petits étons, tac, et ensuite revisser les deux petites vis pour avoir les protections. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, bon, c'est pas fait pour voler en indoor, mais en extérieur, pour les premiers vols, c'est beaucoup plus rassurant. Elles sont bien larges et elles protègent plutôt bien. Petit inconvénient, c'est dans les arbres. Attention, ça permet de bien s'accrocher dans les arbres, ça. Hein. Donc faites-le, mais en terrain nu, sans obstacle de préférence. Vous aurez aussi, donc bien sûr, la petite batterie 1800 mAh en 7V4. Donc ça ressemble à une batterie propriétaire, mais ça n'en est pas une. Donc un des premiers avantages, j'ai envie de dire, sur cet appareil, c'est le fait de pouvoir mettre n'importe quelle petite batterie, enfin pas n'importe laquelle, du 2S bien sûr, mais en XT30. Voilà, tout bêtement, toutes les batteries qui vont pouvoir rentrer ici, tout simplement se glisser dans le support, ou même si vous retirez le support, n'importe quelle autre batterie avec une sangle va pouvoir tenir, donc même des plus grosses batteries, parce que cet engin-là peut en soulever pas mal, et brancher en XT30 tout simplement. Donc, très bon point, pardon, pour ce petit Ishin, en premier lieu, la batterie. Ensuite, nous aurons bien sûr le chargeur balance ici, qui se branche en USB, tout simplement. Donc il recharge en 1,2 ampères, en environ 2h30-3h pour une charge complète. Vous allez avoir des hélices de rechange, donc vous aurez un jeu supplémentaire d'hélices complètes. Donc là, même système que sur le Bugs 3H, que je vais bientôt vous montrer, ou sur le Bugs 3 Pro. Ce sont des hélices qui se vissent directement dessus, deux dans un sens contraire des aiguilles d'une montre et deux dans le sens normal. Vous connaissez le principe maintenant. Vous aurez également la petite clé
qui sert à maintenir les moteurs. Je vous en avais déjà parlé pour serrer vos hélices, mais si vous le tenez à la main, ça suffit largement. Comme ça tourne dans le sens inverse où c'est vissé, ça risque pas de s'enlever. Plus un petit tournevis pour retirer la canopie ou pour installer les pieds, puisque vous allez voir, celui-ci a des pieds supplémentaires. Un petit support caméra. Donc le même que sur le Bugs 3 Pro, vous allez pouvoir installer, je vous le montre tout de suite, vous avez ici un petit micro USB, vous allez pouvoir installer non seulement votre propre caméra, hein, si vous avez une caméra style GoPro, mais vous pourrez installer aussi les caméras qui sont des C5000 ou la C6000, selon si c'est du 720 ou 1080 que vous voulez, les mêmes qui sont vendus pour les Bugs. Et ces caméras sont compatibles aussi avec cet appareil. Donc le fin du fin, une fois que vous aurez installé votre petite caméra ici, et ben vous comprenez que vous allez avoir deux caméras, c'est-à-dire une caméra FPV avec un retour direct sur écran. Donc soit vous avez un support pour mettre sur votre radiocommande, soit vous utilisez le masque tout simplement. Donc vous aurez le retour sur écran directement dans votre masque, et si vous orientez, puisque là la caméra est orientable manuellement, si vous orientez la caméra FPV de la même façon que vous allez orienter la caméra Wi-Fi ici, eh bien vous allez pouvoir connecter votre caméra, si c'est la C5000 ou C6000, pas si c'est votre GoPro bien sûr, si c'est votre GoPro, vous la mettez en route, vous lancez l'enregistrement et vous saurez que tout ce que vous voyez en retour dans le masque sera filmé par votre GoPro en Full HD. Si vous mettez une C5000 ou C6000 qui est compatible avec le micro USB, vous allez pouvoir non seulement recevoir le signal vidéo dans votre écran en 5.8 en retour direct sans latence, mais vous pourrez aussi installer sur votre radio un support pour pouvoir avoir le retour Wi-Fi de la caméra ici, pour pouvoir également lancer la photo ou lancer la vidéo tout simplement. Donc la Wi-Fi, vous savez qu'il y aura de la latence, mais ça permet d'avoir des images un peu plus propres, un peu plus nettes qu'avec cette caméra qui est en 720p. Donc vous l'aurez compris, cet engin déjà est polyvalent au niveau de la photo et vidéo, parce que vous allez avoir le retour en 5.8, donc du vrai FPV, et vous allez avoir la possibilité de mettre une caméra Wi-Fi ou une GoPro tout simplement, ou même pourquoi pas la X2000 OnePa, chose que je vais certainement faire cet après-midi, puisqu'on va aller voler juste après. Mais c'est pas tout, voilà, c'est pas tout. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous parle de la radio, et juste après je vous parle de l'engin. Donc petite radio mode 2, on a ici un retour de force, ça veut dire que là on est en maintien d'altitude. Les petits boutons qu'il y a au-dessus, c'est tout simple, on active ou on désactive les LED en dessous le quad. On a les mêmes LED que sur les Bugs, sur le Bugs 3 entre guillemets, ou même le Bugs 3H, donc bien lumineuse, on les voit de loin. On a la mise en route avec un appui simple et l'extinction des moteurs avec un appui un peu plus long. On a deux vitesses de vol sur celui-ci, et on a prise de photo en appui simple ou prise de vidéo en maintien pendant 2 secondes. Vous allez lancer la vidéo, puisque dans cette 5830, dans cette caméra fournie, vous pouvez installer une carte mémoire. Donc je vous ai déjà dit classe 10, hein, n'hésitez pas à mettre de la bonne carte mémoire si vous voulez pas être embêté pour les transferts et avoir de bonnes images. Mais le principal de cette radio, il n'est pas là. Derrière, on a un bouton, celui de droite, celui de gauche ne fonctionne pas, qui va servir au roll automatique ou flip automatique. Donc vous le savez, vous appuyez un coup, vous aurez un double bip, et vous mettez une direction, il va faire des flip and roll dans la direction que vous aurez donnée. Donc ça, c'est sympa aussi pour ceux qui veulent commencer les petites acrobaties et se la péter sans avoir un gros niveau. Mais l'innovation n'est pas là. L'innovation, elle est sur ce bouton ici. Voyez, donc là, je suis en retour de force et en plein vol. Je ne suis pas obligé de me poser, de changer des paramètres ou autre. En plein vol, je peux passer en mode professionnel et là, je n'ai plus de retour de force, c'est-à-dire que je vais être en pilotage de base sans aucun maintien d'altitude. C'est tout simple, vous allez pouvoir piloter votre engin en manuel comme le Bugs 3, tout simplement, en total manuel, sauf que vous aurez les moteurs de lancer quand même. Celui-ci, quand vous mettez le throttle à zéro, les moteurs ne s'arrêtent pas. Et vous savez qu'il y a toujours un ralenti dessus. Mais ça va permettre quand même de tenter quelques petites acrobaties en manuel. Vous allez voir, même s'il n'est pas hyper réactif au niveau des acrobaties, il a un très 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 bon gyroscope. Même si vous vous foirez un petit peu votre acrobatie, dès que vous allez remettre du gaz, paf, il va se restabiliser parfaitement. J'ai adoré ce petit appareil. Oui, je l'ai testé. Si je vous dis ça, c'est que je le sais. Et donc,
Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, pareil, vous allez pouvoir voler en total manuel, et si, à un moment donné, vous avez besoin du maintien d'altitude, pour je ne sais quelle raison, ou pour prendre des photos et vidéos, vous avez juste, même si vous êtes à zéro ici, vous êtes en train de voler, mettez-le à peu près au milieu, pour pas forcer dessus, mais voyez, là, je vais le mettre volontairement un peu plus bas, je vais repasser en mode 2, et là, on récupère notre stabilisation et notre maintien d'altitude. Je trouve ça génial. Tous les autres boutons sont des trims, hein, droite, avant, arrière, droite, gauche, et la rotation, et le bouton de mise en route, tout simplement. Donc, voilà la grosse innovation sur ce Ishin EX2H, pardon, c'est la possibilité de pouvoir voler en total manuel ou en maintien d'altitude pour faire de la prise de photos et vidéos. Donc, maintien d'altitude, vitesse 1, je vous le recommande pour avoir des images assez stable, assez propre, et quand vous le sentez, quand vous avez envie de mettre un petit peu dedans, ou pourquoi pas pour la deuxième batterie, comme je le ferai tout à l'heure certainement, passez en mode 1, en mode professionnel pour s'amuser un petit peu, tenter des flips en manuel et voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Je trouve ça génial, c'est vraiment un engin polyvalent pour moi. Je vous dis, la seule chose qui va manquer, c'est peut-être un GPS en mode maintien d'altitude. Ça aurait été le top du top. Donc vous le savez qu'avec du vent, un petit peu de vent comme aujourd'hui, même en maintien d'altitude, l'appareil aura tendance à drifter un petit peu. Donc une portée d'environ 300 mètres, sans problème, que ce soit pour la radio ou pour les images vidéo. J'ai testé, même s'il n'y a pas d'antenne sur ce petit écran, on a les 200-300 mètres de portée sans aucun souci. Bien sûr, évitez d'être derrière vous, évitez de mettre des gros obstacles entre vous et l'appareil pour le retour vidéo comme pour le signal. Et sinon, vous avez aussi une communication bidirectionnelle. Ça veut dire que quand vous arrivez en limite de signal, la radio va biper pour vous dire « va pas trop loin pépère, sinon tu risques de paumer le signal et il n'y a pas de retour home ». Donc soyez prudent, faites attention quand même. Vous avez également un bip dans la radio quand vous arrivez en milieu fin de batterie. Juste après le milieu de batterie, vous avez encore, on va dire, 3-4 minutes de vol avant que l'engin finisse par se poser tout seul. Donc vous aurez le signal sur la radio. Que vous dire de plus? Bah écoutez, ce petit engin est équipé de petits moteurs 1806 en 1800 kV. Donc on est un petit peu comme la catégorie des Bugs, hein. De toute façon, si on regarde un petit peu, c'est exactement le même design. Comme sur le Bugs 3H qu'on verra bientôt, là on ne déclipse pas la canopie, on a quatre petites vis ici, assez rapide à retirer quand même pour pouvoir avoir accès. On aura 4 ESC indépendants ici qui sont à 8 ampères je crois. Donc ne montez pas plus que la 2S, hein, faites pas comme sur le Bugs à vouloir tenter des folies. Sinon la petite carte mémoire qui va se mettre dans la caméra, ça je vous en ai parlé, elle se glisse sur le côté tout simplement. Et on a également un branchement pour un LED. Si vous n'avez pas, je vous dis, la caméra, vous aurez possibilité de mettre le LED à l'avant. Tout bêtement. Sinon j'ai dû simplement, alors quand vous rajoutez les grands pieds comme ça pour faire de la prise de vue, parce que celui-ci, comme le 3H, si vous ne mettez pas les rallonges ici parce que vous ne voulez pas par exemple faire de prise de vue, vous aurez quand même les pieds qui sont sous les moteurs ici, ça vous permet de faire du FPV pur et simple, sans avoir de caméra de prise de vue en dessous, donc ça allège l'appareil, et beaucoup moins de prise au vent également, et certainement beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'ai fixé les quatre pieds, et vous avez donc l'antenne de l'engin qui est là, et l'antenne du FPV qui va sortir ici en vrac, et qu'il faudra simplement placer avec un petit double face qui est fourni. On a des petits double faces ici pour fixer l'antenne à l'intérieur du pied, et on a les gros double faces, enfin c'est pas du double face pardon, c'est de la mousse qui va venir selon le type de caméra que vous allez mettre pour éviter d'avoir des vibrations, pour combler le jeu, j'ai envie de dire, selon l'épaisseur de votre caméra. Donc voilà pour ce petit engin, on a fait le tour. Bah écoutez, moi j'ai plus grand chose à vous dire, je crois qu'on va partir sur le site maintenant. Let's go pour un petit vol. C'est parti. Yep. On se retrouve à l'hippodrome de Challans. Eh ben c'est désert, normal, on fait pas courir les chevaux quand il fait trop chaud, je pense. Petit détail dont j'ai oublié de vous parler, pardon, c'est que la notice, le manuel est en français. Enfin, vous avez plusieurs langues, mais vous avez du français. Voilà, consigne et sécurité de vol. Donc tout est bien expliqué, les procédures de bind, bien sûr, la façon pour calibrer, etc. Vous avez tout dedans. Et vous n'avez pas la petite plaquette MJX Bugs, bien sûr, puisque ce n'est pas un MJX, mais vous avez quand même le petit démarrage rapide également en français.
Voilà, démarrage rapide, qui vous explique vite fait comment mettre les hélices en place, etc. Donc vraiment très complet. Donc dans un premier temps, on va se faire un petit test de prise de vue. J'ai emmené la OnePa, vous savez, le petit montage avec ma petite nacelle sur coussin d'air. Donc je vais l'installer tout simplement. Ici, le clips ne sert à rien, bien sûr, même s'il sert sur le support fourni. Et on va orienter notre petite caméra, hop, à peu près de la même manière que la caméra du drone. On va pas la mettre tout à fait droite, on va la mettre légèrement vers le bas pour voir comment ça se passe au niveau de la prise de vue. Donc je branche, bien sûr je pose l'engin à plat, tac, et je fais une petite calibration. Donc les deux sticks à droite, vous le verrez pas, mais ça clignote. Donc là nous sommes calibrés logiquement. J'ai mis en route mon petit écran de retour. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais faire bouger un peu l'engin. Voilà, comme ça, vous aurez une idée de ce que donnent à peu près les images de retour. Vous voyez, je ne pourrais pas vous le montrer en même temps puisque je n'ai pas l'enregistrement de l'écran. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer la réception de l'écran. Je vais simplement vous en parler au fur et à mesure. Tac! Bien sûr, je peux enregistrer avec la caméra du drone, mais ça ne vous donnera pas les parasites qu'on peut avoir sur l'écran. Donc là, on a 200 mètres d'un côté, un peu moins de l'autre côté. Il y a déjà pas mal d'espace. Alors c'est parti, mise en route de l'appareil. Un appui simple. Et là, on est bien en mode décollage, en mode de maintien d'altitude. Donc dès que je pousse vers le bas, ça stoppe les moteurs. Regardez, hop, tout bêtement. Bien sûr, parce qu'il n'est pas en l'air. Hein. Décollage manuel. Donc j'ai pas vraiment la super bonne configuration aujourd'hui parce que j'ai un petit vent hop, qui pousse le drone par là, vous voyez. Donc il va falloir être prudent. Donc j'ai bien le retour des images. C'est propre. J'ai aucune latence, bien sûr. Et aucune parasite pour l'instant. On est tout prêt. J'espère que j'ai bien lancé la caméra OnePa. Faut que je vérifie quand même. Oui, ça clignote. Bon, vraiment stable, hein. Dès que le vent se calme, vous voyez, on n'a vraiment pas de secousse, pas de vibration. Ah, dès qu'il y a des petites rafales, par contre. Allez, c'est parti, on va se faire un petit test de portée en balade. Let's go! Vous voulez voir comment ça se passe sur l'écran? Là, je pense que vous verrez. Allez, c'est parti, on va se faire un petit tour de piste. Je vais prendre un peu d'altitude. Donc là, je suis en vitesse 1, normal pour la prise de vue. Donc je suis sur la bordure de la piste. Je vérifie en même temps. Quelques petits glitchs à l'écran, mais rien de sérieux. On sait que ces petits écrans, même s'ils n'ont pas d'antenne, ont vraiment une bonne petite portée. Voilà, on est à peu près à 200 mètres. Je vais suivre à peu près le tour de la piste. La rotation est très douce, très souple. Il faudra peut-être que je passe en vitesse 2 pour contrer le vent. Hop. Ouais, là, faut que je contre le vent. Je prends un peu d'altitude. Hop, je sais pas si vous verrez en même temps. Bon, vous verrez les images de la OnePa. Je longe le petit circuit. Hop. Alors, où suis-je? Je le vois pas trop. Hop, j'arrive au bout. J'arrive dans l'arrondi. Je vais passer en vitesse 2. Tac. Hop, et c'est parti. Reprends un peu d'altitude et je suis mon bord de piste. Là, je devrais être de ce côté-là. Le voilà. Le revoilà. Bonne petite vitesse de pointe quand même. Je suis pas tout à fait à fond. Ah, il est très très souple au niveau des commandes. Là, je vais le baisser un peu en altitude pour qu'on se rende mieux compte.
Ouais. Donc là, on est juste au-dessus de nous, pratiquement. Pas très bruyant. C'est les petites hélices Upsan, hein, on les connaît. Hop, là, je devrais être dans l'image. Ouais, tout à fait. Je suis là. Alors, à fond. Donc, bien sûr, à fond de throttle, on va tendance à perdre un petit peu d'altitude. Puisqu'on est en vitesse 2. Si je repasse en vitesse 1, logiquement. Alors, vitesse 1, vitesse 2, vous avez aussi une accélération sur la rotation. Regardez. Hop. Donc là, je suis en vitesse 1, je lance la rotation. Et vitesse 2, tac, on voit qu'on a une légère accélération. Donc la vitesse 1, c'est vraiment l'idéal pour les prises de vue. Alors, je vais vous apprendre, je ne vais pas y arriver, je vais vous apprendre à faire un circle mode sans le circle, sans le mode, tout simplement. Donc là, on doit être dans l'image à peu près, donc facile si vous avez le masque sur les yeux, hein, bien sûr. Donc là, pour un circle mode, c'est tout simple, vous allez pousser dans un certain sens le stick de droite, ici. Donc là, on le pousse sur la gauche du drone, et dans le sens inverse, vous allez pousser la rotation, pour essayer de maintenir la caméra sur vous, tout simplement. Après, c'est une question de vitesse de rotation. Hop, je vais m'avancer un peu pour avoir un peu plus de place. Voilà. Donc un petit circle mode, tranquillou pilou. Je suis peut-être juste au-dessus de moi, là. Donc pas de mode headless, pas de mode follow sur ce drone, bien sûr. C'est vraiment du pur manuel. Petit vol bas. Donc en vol tranquille, on a à peu près, on a facilement 15 minutes de vol si vous êtes en mode prise de vue. Bien sûr, après, si vous êtes en mode professionnel, et plus bien sûr vous pousserez dans les manches, moins vous aurez d'autonomie. Hein. On va descendre à 10 minutes environ, si vous faites que pousser sans arrêt. Allez, on va essayer de prendre une image stabilisée un petit peu. Voilà, il faut que je contre le vent. On verra si avec une caméra de bonne qualité, puisque la OnePa est quand même de bonne qualité, si on a des vibrations ou ce genre de choses. Alors bien sûr, si je suis face au soleil, oui. Là, le soleil est au-dessus de moi, donc je ne devrais pas être embêté. Je descends vite. Ah, il descend pas mal. Hein. On va se faire un petit test de punch vite fait en mode maintien d'altitude. Allez, 3, 2, 1. Ouais, on prend quand même assez vite de l'altitude. Hein. Allez, on va se poser. Allez, viens. Donc si je l'attrape par les pieds et que je baisse la manette, chose à ne pas faire, bien sûr, je l'attrape et je baisse la manette ici. Ça suffit à couper les moteurs, tout simplement. Donc c'est vraiment safe. Allez, je démonte les pieds et je vous montre le mode FPV. C'est parti. J'ai enfilé le masque. Attendez. La preuve. Hop, je replace ça comme il faut, de façon à ce que vous ayez un peu quand même d'image, vite fait. Tac, les images du décollage au moins. Très safe, je suis juste à côté de moi, même si c'est pas très prudent. Voilà. Donc le masque, je vous l'avoue, pas super confortable. Moi, j'ai un grand nez et ça me force un peu sur le nez. Donc, il faut vraiment trouver sa position. Donc là, je suis en mode maintien d'altitude. Je vais passer en mode professionnel. Regardez. Tac, c'est parti. Là, si je coupe les gaz, hop, il descend. Donc là, je suis vraiment en mode FPV. Donc, c'est parti pour une petite balade en mode FPV. Je lance l'enregistrement. Donc, appui long sur le bouton photo vidéo. Tac, c'est parti.
et là je suis en mode simple, en mode manuel. Je suis où? Je suis là normalement. Et ouais. Donc toujours en mode stabilisé, hein. Bien sûr, on n'est pas en mode accro. Donc je vais passer en vitesse 2. Tac, c'est parti. Allez. Let's go pour une petite balade. Je vais prendre un petit peu d'altitude. Donc on verra ce que donnent les images de la caméra. C'est du 720p. Je suis pas à fond, là je vais pousser à fond sur le stick. Je longe le circuit. Je reviens. Donc ouais, c'est ce qui manque peut-être, je pense, c'est un petit angle vers le haut. Là, la caméra est au maximum vers le haut. Vous voyez, si je lâche le stick, hop, en stabilisé, voilà ce que j'ai. Donc il manquerait peut-être une petite inclinaison vers le haut de la caméra. Ou en tout cas, super bonne portée. J'ai quelques petits glitches de temps en temps, mais comme j'ai aucun obstacle entre moi et l'engin, ça reste vraiment très très propre. Là, je n'ai aucun glitch puisque je suis plus très très loin. Là, on va repasser vers nous. Je suis en plongée directe sur moi. Hey! Donc parfait hein, pour l'initiation, pour ceux qui veulent soit s'initier au FPV, parce que là c'est tout à fait pilotable, soit pour ceux qui veulent faire des prises de vue avec une bonne petite caméra, tout en ayant un retour direct, sans aucune latence, de l'endroit qu'ils sont en train de filmer. Hippodrome de Chaland, un peu de pub. Bon, bah pas mal ça, pour un petit vol d'initiation. Allez, je vais revenir, on va quitter le masque et on va voir un petit peu ce que ça donne en pilotage manuel. Là, je vais repasser en mode maintien d'altitude. Regardez. Clac. Et voilà, automatiquement, il prend son maintien d'altitude. Bon, il drift, hein, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vachement sécurisant quand même. Hop, je vais le ramener. Je vais me poser devant moi. Voilà, allez, on baisse les gaz. Et on baisse au maximum. Tac, coupiren. Oui, donc j'ai gardé les gros pieds, hein. Bah oui, puisque j'ai l'antenne, je vous ai dit, l'antenne FPV qui est fixée à l'intérieur du pied. J'allais pas me mettre à tout démonter. Allez, c'est parti pour un petit vol à vue. Oula, le vent se lève. J'enlève le maintien d'altitude ici. Hop, donc je peux baisser au minimum. Et voyez là. Un drone tout à fait normal. Oh là là, le vent se lève. C'est parti. Donc il a un bon petit poids quand même, hein. Il supporte pas mal le vent. Alors test de punch sans le mode maintien d'altitude. Je sais pas si ça va changer quelque chose. C'est parti. Ah, un petit peu plus peut-être. Et j'aimerais bien voir tout de suite si on peut faire des figures. Là, j'ai le soleil par là. On va aller se mettre par ici. On va voir si on peut faire quelques petites figures en manuel avec celui-ci. Alors vous vous souvenez, pour les figures, on met une direction en mettant les gaz à fond. Et ensuite, on met la direction opposée en coupant les gaz. Et logiquement, la magie s'opère. Alors regardez, je vais partir en roll gauche. Ici, je mets à fond de gaz. Je coupe et je mets en roll droit. Hop là!
Oh, il a eu beaucoup de mal. Alors après, c'est une question de synchronisation, hein, entre la coupure moteur et l'accélération. Donc là, je mets du gaz, je pars en marche avant avec du gaz et je vais couper les gaz en tirant en arrière. Hop là, et on a fait un flip arrière sans problème. Donc on peut faire des acrobaties. Je vous ai dit, le gyroscope est béton sur cet appareil. Dès que vous remettez du gaz, le gyroscope se remet d'aplomb. Là, si je coupe les gaz en l'air, bon, bien sûr, j'ai encore un filet de gaz, il part en feuille morte, mais dès qu'on remet du gaz, il se stabilise automatiquement. Hop, on va voir s'il est un petit peu nerveux quand même. Donc sans les pieds, on aura un petit peu moins de prise au vent, bien sûr. Et c'est pas mal, hein, pour un lourdeau quand même, hein. On a tendance à perdre de l'altitude si on met à fond de pitch en avant. Alors là, je suis face au vent en plus. Là, avec le vent dans le dos, c'est un peu mieux. Tout de suite. On est pas mal en pêche, hein. Ouf. Oh, ça fait un ouf. Allez, le petit roll. Ah, très très bon petit joujou. Franchement, Ishin a vraiment bien travaillé en rajoutant. En fait, c'est comme le Bugs 3H. J'ai l'impression, sauf qu'en plus du Bugs 3H, on a le retour en 5.8, donc le FPV. C'est vraiment un gros plus, que ce soit pour de la petite prise de vue ou pour l'initiation. C'est vraiment sympa. Donc moins puissant que le Bugs 3, c'est sûr et certain, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais quand même très bon compromis pour un engin qui a le mode maintien d'altitude ou pas. Avec une bonne portée, une bonne visibilité. Je sais pas si on voit les lumières en plein jour. Je vais les allumer parce que je les avais éteintes. Tac. Alors là, avec le soleil en face, ça m'étonnerait qu'on voit quelque chose. Ah si. Si si, on voit bien les lumières violettes à l'arrière et blanches devant. Et là, j'éteins, je rallume, tac. Moi je les vois, je sais pas si vous les verrez. Alors bien sûr, hein, dès que c'est un petit peu plus la pénombre, c'est plus facile. Très bon petit joujou. Bonne autonomie. Bonne stabilité. J'ai rien à dire sur ce petit Ishin, franchement. Aussi amusant qu'un Bugs, sans aucun souci. Et j'ai envie de dire, beaucoup plus amusant que, même si c'est pas fait pour la même chose, plus amusant que le Bugs 3 Pro et le Bugs 5W, puisqu'on a cette fonction qui permet de piloter en manuel. Yeah! Ah, le vent est coriace là, hein. Regardez, je lâche tout. Yeah! Le vent s'est levé. Eh ben, plutôt sympa, ma foi! Précis, souple, sur la commande. Il y a moyen de faire du pilotage un peu nerveux, comme tout doux. Ça y est, ma radio commence à biper, donc j'ai dépassé les 50% de la batterie. Je vais pas insister, on a fait le tour de la question. Alors bah écoutez, je vais le remettre en mode maintien d'altitude, regardons. Donc là, je vais même couper les gaz, regardez. Là, je coupe les gaz et je mets en mode maintien. Hop ! Et ben, il remet automatiquement les gaz à la moitié. Et il faut que je baisse les gaz maintenant pour pouvoir descendre. Vraiment super ingénieux, même pour les gens qui débutent dans le drone. Le fait de pouvoir changer comme ça, du mode maintien au mode manuel, ben ça vous permet de commencer à piloter en mode maintien d'altitude. Vous passez en mode manuel, vous essayez de maintenir l'altitude tranquillement, et si jamais vous avez un petit souci, un petit doute, tac, vous repassez en mode maintien. C'est vraiment très très sympa. Allez, on le ramène.
Moi, ça me va. Je vais me poser, je vais pas le prendre à la main parce qu'il y a du vent, je voudrais pas me faire surprendre. Et on baisse la manette. Et voilà. Donc voilà les amis pour ce petit Ishin EX2H. Franchement, je suis super content de ce petit appareil. Il a tout pour l'initiation, pour les prises de vue, pour le FPV. C'est vraiment un appareil ultra polyvalent. Vous verrez les tarifs différents en fonction si vous prenez avec caméra, sans caméra ou avec le pack complet et le masque de chez MJX. ça me fait marrer. Mais en attendant, voilà trois prix différents. Si je peux, je vous attrape un petit coupon au passage. En tout cas, les liens sont dans la description, bien sûr. Donc là-dessus, moi, il me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien. Un petit clin d'œil, un petit coucou à mon Sebidoki, voilà, qui a quelques petits soucis en ce moment, j'en parle pas. Mais sache, mon petit Seb, que je te soutiens de tout mon cœur, tu sais de quoi je parle. Allez, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.